Première, je vois que le football, c'est beaucoup plus universel, global de ça que j'entends. Je veux dire que ce sont des histoires, qu'on a les mêmes histoires en Espagne, on a les mêmes histoires en Angleterre, à l'Allemagne, à l'Italie, et chaque fois. Parce qu'on a parlé de ça, je pense, après les matchs de Monaco. Pas avant les matchs de Monaco. Et les matchs de Monaco, que c'est un match de football que tu peux gagner, tu peux perdre, que ça fait du mal vraiment à Toulouse. Ça développe une idée de qu'entre Rudy Garcia, je ne suis pas joué les matchs, je ne pense pas. C'est pas moi. Nous, on travaille ensemble, on a toujours travaillé ensemble, on a toujours travaillé ensemble avec les présidents aussi, on a pris les décisions ensemble, chacun il peut avoir un profil, une idée, mais ça c'est le football toujours, il faut parler, il faut discuter, il faut rester toujours ensemble et penser toujours que le plus important c'est tout ça que c'est bon pour l'Olympique de Marseille. Tout ça que c'est bon pour le club, pour moi, ça c'est le plus important. Ce n'est pas qui est-ce qui a la décision, dernière décision ou pas. Emen, il est interviewé parce qu'on veut qu'il soit joueur de l'Olympique de Marseille. Ça c'est pour moi la question importante. Non pas qui est-ce qui dit, qui est-ce qui nous dit. Que pour nous, le plus important, c'est est-ce qu'on peut arriver à avoir un avant-centre. C'est que l'avant-centre soit mieux qu'on a, c'est complémentaire à tout ça qu'on a, que ça fait que le groupe, l'équipe, et peut avoir plusieurs possibilités dans le jeu. Pour moi, ça c'est toujours la question la plus importante, peut-être parce que je joue toujours comme gardien de but. Pour gagner, j'ai besoin toujours de buts de cet attaquant. Et je gagnais des matchs avec les zéros, mais tu gagnes des matchs aussi parce que celui qui joue devant, ou celui qui joue en défense, il fait le but. Je comprends le monde du football comme ça. Non, c'est pas. On travaille sur le profil de joueur et après on essaye de trouver quels sont les joueurs qui attendent le profil. Et si la dernière question c'est un joueur qui peut s'adapter un peu mieux ou pas, ça serait la dernière question. Mais le normal dans le monde du football, c'est la question au contraire, non? Pourquoi pas des joueurs français? C'est pas une mauvaise idée.